Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Fraîcheur de notre Dieu, soif qui appelle, dont on t'a la Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 17, versets 24 à 29. À ceux qui se repentent, Dieu ouvre le chemin du retour. Il réconforte ceux qui manquent de persévérance. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Mets-toi devant lui pour prier et diminue tes occasion de chute. Reviens vers le Très-Haut et détourne-toi de l'injustice. Les actions abominables, déteste-les. Qui pourra célébrer le Très-Haut dans le séjour des morts, remplacer les vivants qui lui rend gloire? La louange est enlevée aux morts puisqu'il n'est plus. C'est le vivant, le bien portant, qui célébrera le Seigneur. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur, qu'il est grand son pardon pour ceux qui se convertissent à lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 31. Que le Seigneur soit votre joie, exultez, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans faute. Que le Seigneur soit votre joie. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés.
Que le Seigneur soit votre joie. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi chacun des riches te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Que le Seigneur soit votre joie. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans le détresse. De champs de délivrance, tu m'as entouré. Que le Seigneur soit votre joie. N'a pas les paroles, n'a pas les paroles. Fon gen courage pour ne parler. N'a pas les paroles, parler. N'a pas les paroles, parler. C'est vous qui dites, si ne pas parler, wash la parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon ses morts. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 10, du verset 17 au verset 27. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage. Ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devient sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors, Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. N'a pas les paroles, n'a pas les paroles. Fon gen courage pour ne pas parler. N'a pas les paroles, allez. N'a pas les paroles, allez. C'est vous qui tine, si ne pas parler, roche la parler. La joie de Negsa pour le transformer en tristesse et Discipio, que content Discipio pour le transformer en inquiétude. Et joie Neglan parce que c'est quelqu'un de bien qui respectait les commandements et donc qui certain tout que toute bagaille que le fait au bien et que seulement ça le manquait, c'est ça Jésus a parlé à question la vie éternelle. Donc certainement le poser Jésus question, lui attendre à une réponse qui va le confirmer ça que lui-même lui étant qu'on est le fait déjà. Mais malheureusement, que content pour le transformer en tristesse parce que Jésus mandait
yon l'autre bagaille, ou du moins yon plus. Plus là, c'est qui ça? C'est déposséder de bien yo pour capable gagner la vie éternelle. Mais là, c'est tristesse parce que li attaché avec richesse liyo, donc partager richesse liyo, c'est tristesse. Maintenant, Jésus automatiquement fait comprendre que la vie éternelle là, donc li mande yon détachement, détacher nous de tout pour nous attacher nous à lui-même, lui-même qui c'est Jésus, qui c'est essentiel, qui c'est la vie et la vie éternelle. Disciples autour, yo vin inquiet parce que yo même tout, yo Jésus parole que Jésus adressé à Nègrichlan, les bouleversé autour et yo même tout yo rend yo compte que yo pose question mais comment pour moun pour gagner pour arriver joindre la vie éternelle ça c'est difficile parce que condition yo pas facile, critère yo pas facile. Donc Jésus lit tout dit monsieur yo yo même tout pour yo suivre li yo même que le relais pour yo suivre li faut pas jamais lier vie chrétien li vivre dans le détachement, détacher nous de tout ça qui empêchait nous avancer, détacher nous de tout ça qui empêchait regard nous li orienter vers l'essentiel. Autrement dit, accessoires yo yo pas là pour tout temps, y a passé. Donc, puisque vous parlez pour tout le temps, on nous fixe, regardons vers sa cap durée, ce qu'il a pour tout le temps, vers la réalité éternelle, là, c'est la réalité dans Jésus-Christ. On nous la prie, bon Dieu, ce Mac Frémio, dans la messe, jeudi, pour nous pas passer de la joie à la peine, mais pour nous toujours rester dans la joie, pendant nous attacher nous à Jésus. Jésus, il est l'essentiel. Il donne la vie et la vie éternelle. Moun ki attaché avec lui, y a bien la vie et y a bien la vie pour tout temps. Amen. Pour être capable de faire litanie à la Vierge. Nous sommes à la page 10. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Mère, Vierge, Mère du Christ, priez pour nous. Mère de Jésus, l'Emmanuel, priez pour Mère nous. Mère de Jésus, le Sauveur, priez pour Mère nous. Mère de Jésus, le Seigneur, priez pour Mère nous. Mère conçue sans péché, priez pour Mère nous. Mère de la lumière, priez pour Mère nous. Mère de la vie, priez pour Mère nous. Mère de l'amour, priez Mère pour de nous. La miséricorde, priez pour Mère nous. Mère de l'espérance, priez pour Mère nous. De l'Église, priez Mère pour de nous. Tous les hommes, priez pour Mère nous. Bénie entre toutes les mères, priez pour Vierge nous. Comblée de grâce, priez pour Vierge nous. Toute sainte, priez pour Vierge nous. Très humble, priez pour Vierge nous. Très pauvre, priez pour Vierge nous. Très pure, priez pour Vierge nous. Accueillante, priez pour Vierge nous. Croyante, priez pour Vierge nous. Obéissante, priez pour Vierge nous. Priante, priez pour Vierge nous. Souffrante, priez pour Vierge nous. Exultante, priez pour Vierge nous. Bénie entre toutes les vierges, priez pour Ève nous. Ève nouvelle, priez pour fille nous. De Sion, priez héritière pour de la promesse, priez pour servante nous. Du Seigneur, priez pour arche nous. De l'alliance, priez pour cité nous. De Dieu, priez demeure pour de la sagesse, priez temple pour de nous. L'Esprit Saint, priez pour étoile nous. Du matin, priez pour porte nous. Du ciel, priez pour splendeur nous. De la création, priez pour femme nous. Bénie entre toutes les femmes, priez médiatrice pour de grâce, priez dispensatrice pour de la paix, priez pour soutien nous. Des ministres du Seigneur, priez pour guide nous. Des consacrés, priez pour modèle nous. Des épouses, priez pour protectrice nous. Des familles, priez pour secours nous. Des chrétiens, priez pour consolatrice nous. De ceux qui pleurent, priez pour avocat nous. Des opprimés, priez salut pour nous. Des malades, priez pour refuge nous. Des pécheurs, priez pour joie nous. De tous les enfants de Dieu, priez pour reine nous. Élevée au ciel, priez pour reine nous. Des anges, priez pour reine nous. Des patriarches, priez pour reine nous. Des prophètes, priez pour reine nous. Des apôtres,
apôtres, priez pour reine nous. Des martyrs, priez pour reine nous. Des pasteurs, priez pour reine nous. Des docteurs, priez pour reine nous. Des vierges, priez pour reine nous. Des fidèles, priez pour reine nous. De tous les saints, priez pour reine nous. Du monde à venir, priez pour nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Enfant Chita. Ensemble, on va offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque, Monsieur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, sur les personnes qui se confient à nos prières, sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire de mariage, Junio Berto Elis Erna Vertil, anniversaire de naissance, compère Thomas Jefferson, Gardi Maisonneuve, Guy Vaila Cadli Mildred, Guy Alain Joseph, Hermione Jeudi, Hortense Caillot, Jean-Julien, Jean Moreau, Carmille Wid Vano, Léon Christopher Gay, Marc-Antoine Rousseau, Meloun Zumé, Dauphin François, Monfisto Betty Lodza, Navarre Williamson, Pierre Lafalone, Pierre Wesley Scholl, Régine Généus, Suze Rémy, Clarellus, Télisfort, Pierre-Louis, Victoria Abigail, Bois-en-Canal, Yolaine Mérisier, Yunan Gibson Lamour, Presny Ténor, Mésilas Mère, Mekerlange, sur les bienfaiteurs et bienfaitrices, sur nous qui sommes rassemblés, nous implorons ta bonté. Père Mère, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Yeah.
bénéficier de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Corps de Jésus vivant au tabernacle, corps de Jésus présent là sur cette table, corps de Jésus nourriture pour mon âme. Quelle joie d'être porteur du bon Dieu dans mon petit cœur. Prisonnier dans ce pain, pour bien s'ouvrir ma faim, Jésus offre son corps à qui le veut. Devenez peu à peu ce que vous recevez, vous connaîtrez enfin la liberté. Corps de Jésus vivant au tabernacle, corps de Jésus présent là sur cette table, corps de Jésus, nourriture pour mon âme. Quelle joie d'être porteur du bon Dieu dans mon petit livret, page 45. Magnifique, magnifique.
moi chanter louange mon Dieu, qu'aime danser à contentement, li choisi. Rassasié, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie. Rends-nous dans ta bonté, participant à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes à la page 14. Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est en toi. Tu es pleine de grâce. Voici en ta présence pour chercher refuge et protection. Tu sais combien notre vie sur cette terre est menacée. Prends-nous dans tes bras pour nous bercer et nous redire tes paroles d'amour, de paix, de consolation et d'espérance. Étends sur nous ton manteau de grâce et garde-nous sous ta constante protection pour nous préserver du mal et nous défendre des attaques de l'ennemi. Prie pour nous, pour que ton Fils Jésus soit toujours avec nous et nous aide à traverser avec sérénité et confiance les ravins de la mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame d'Alta Grâce. Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Là. Notre-Dame de Fatima. Priez pour la conversion des pécheurs. Sainte Marie, temple et épouse de l'Esprit-Saint, aide-nous à accueillir l'Esprit-Saint. Alors, comme annonce, nous avons rappelé nous que funérailles... Madame Marie-Thérèse Saint-Anne-Pierre-Louis, qui c'est maman Père Francky, curé paroisse-là, funérailles maman-là a célébré demain mardi dans la paroisse Notre-Dame de l'Assomption qui est dans Tigouave à 9h. Famille, comptez sous la prière. Nous. Nous disons merci à notre chante et à notre maestro, merci aux techniciens de la RTA, merci aux différentes équipe de nettoyage, de soutien, de sécurité. Merci aux enfants, aux sacristains. Merci à vous qui avez participé en présentiel, mais également à vous qui avez participé à travers la RTA. Nous disons joyeux anniversaire aux personnes qui célèbrent leur anniversaire, mais de façon spéciale à Nava Williamson, technicien de la RTA. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À vous tous, sœurs et frères bien-aimés, bonne fin de journée. Merci, mon Père, à vous de même. Merci beaucoup. Maman Jésus, maman, papa ici.